Hey, salut tout le monde, c'est Pamvani, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. Alors j'ai commencé une petite série de vidéos, il va y avoir 3 vidéos en tout. La première c'était sur le maquillage d'un villageois et la dernière ce sera la spéciale Halloween Animal Crossing. Mais aujourd'hui on est là pour faire une tête de citrouille Jaco avec une vraie citrouille. Alors la citrouille que j'ai choisie, la voici. Il existe plusieurs types de citrouilles et cette citrouille là je dirais que c'est la citrouille typiquement américaine. C'est juste pour la décoration et on peut pas la consommer. Alors la vraie citrouille de Jaco que Jaco porte, c'est pas ce type de citrouille là, c'est la citrouille qu'on peut consommer, qui ressemble plutôt à un petit marron. Mais c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a, hein. C'est quand même une citrouille à décorer. Et je vais pas vous cacher qu'elle est un peu lourde. Vous voyez le derrière, c'est là qu'elle en fait elle a poussé de ce côté là, donc c'est un petit peu abîmé. Mais ce côté là il est parfait, il est rond. Et c'est vraiment la plus belle que j'ai trouvée. Voilà. Alors pour le matériel, je vous conseille de faire ça sur du papier journal. Parce que ça va éviter d'en mettre partout. Ensuite, il vous faudra un marqueur pour délimiter les yeux, le tour, petit chapeau, tout ça. Ensuite, il vous faudra un couteau. Les plus jeunes, faites attention, demandez à vos parents. Et il vous faudra aussi une cuillère à soupe pour la vider. Commençons tout de suite. On va commencer en fait à tracer le petit tour du chapeau, juste là. Et après, on va dessiner les yeux de Jaco sur la face principale. Alors n'hésitez pas à prendre une référence pour dessiner Jaco, donc une photo ou autre. Alors d'après ce que j'ai vu, je pense que j'ai fait le nez un petit peu trop grand, mais c'est pas grave, je le ferai un peu plus petit, je le découperai plus petit. Alors maintenant, on va s'attaquer au découpage. On a déjà enlevé le haut, c'est vraiment le moment le plus difficile, c'est le haut. Hop, attention. Wow. Hop. Alors là on va couper pour faire un petit chapeau. Hop, et maintenant il va falloir vider la citrouille. Tout va bien. Alors une fois que votre citrouille est bien vidée, on va passer à la deuxième partie la plus difficile, c'est-à-dire découper les yeux et la bouche. Alors une fois que vous avez tout bien nettoyé, même les petites traces de marqueurs qui restaient, on va l'allumer. Pour ça vous prenez n'importe quel petit lampion, on met la bougie à peu près au milieu. Et voilà ce que donne un petit Jaco, une lanterne de Jaco allumée. Je suis trop contente du résultat, je trouve qu'on reconnaît quand même Jaco. Hein. J'espère que cette vidéo sur le thème d'Halloween vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.